Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette invitation. J'espère effectivement que cette vision un tout petit peu décalée par rapport à ce qu'on a pu vous enseigner vous sera utile dans le cadre de vos études au sens large, évidemment, non pas que d'un point de vue scolaire, mais dans la vie quotidienne. Je ne peux quand même pas m'empêcher évidemment de vous remontrer ce schéma qui continue à être enseigné dans toutes les universités du monde. Et qui dit bien entendu que la partie postérieure du gyrus temporal supérieur du côté gauche dit dominant sert à comprendre que vous avez une flèche unilatérale dans un mode sériel qui va de l'arrière vers l'avant, à savoir les faisceaux d'association en l'occurrence arqués, et qui arrive au niveau de la part supercularis du gyrus frontal inférieur gauche, encore une fois du côté dominant chez un volontaire ou patient droitier. Qui vous permet de produire la parole, donc l'output. Et voilà, c'est fini, on a compris comment fonctionne le langage. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est compatible avec ce qu'on est en train de faire dans la vie de tous les jours en ce qui concerne soi-même, l'apprentissage, votre motivation pour être ici aujourd'hui, c'est-à-dire de venir de loin, d'avoir planifié, de l'insérer dans un mode de vie qui est probablement différent en fonction de différents âges, de différents parcours, et de vouloir in fine résumer à ceci en disant, du coup, si je suis rééducateur et qu'il y a une lésion à ce niveau-là, que le patient a des troubles de compréhension, je vais utiliser la page 12 du manuel, et si c'est dans la partie dite de Broca, aphasie motrice, je vais utiliser la page 2, et c'est comme ça que je rééduque depuis 5 ans ou 20 ans. Vous voyez bien que ça ne peut pas tenir la route, ce n'est pas raisonnable. Donc, on va essayer de vous amener vers ce type de modèle dit connexionniste, odotopique. Évidemment, ça a l'air plus compliqué, tout simplement parce que ça l'est. Parce que c'est comme ça que le cerveau arrive à apprendre, qu'il arrive à se réorganiser, et que quand on parle de plasticité, c'est bien des réseaux parallèles distribués qui font qu'il faut qu'il arrive à trouver des voies de contournement, et qu'encore une fois, évidemment, ces schémas ne sont que des modèles, ça veut dire qu'ils sont là pour évoluer, et que j'espère que ce schéma sera obsolète dans 2 ou 3 ans, sinon ça voudra dire que j'ai mal travaillé dans l'intervalle, puisque j'espère pouvoir rester un petit peu plastique aussi, malgré l'avancée en âge. Et évidemment, le but n'est pas de décortiquer tout, mais de vous donner une vision holiste en l'espace donc de moins d'une heure pour que vous sortiez d'un carcan de « il y a 2 zones, il y a un faisceau, c'est unilatéral et on a tout compris ». Comment est-ce que je peux être certain de ce que je vous dis? C'est parce que je me base sur l'observation et que j'ai une chance énorme en tant, non pas tant que neuroscientifique, puisque je suis également directeur d'une équipe INSERM, mais surtout neurochirurgien, de pouvoir avoir accès au système nerveux central en action et pas qu'à travers des biomathématiques, à savoir l'imagerie fonctionnelle, qu'on parle d'effet Bold ou de tenseur de diffusion. On en fera quelques allusions tout à l'heure, bien entendu. Mais en fait, tout ceci, ça a été des méthodes indirectes, alors que je suis directement en contact du système nerveux central parce que je l'opère et voire même que je l'enlève. Donc, en d'autres termes, vous voyez que cette image est très provocatrice et évidemment, vous allez pouvoir dire, oui, mais c'est un neurochirurgien, donc si le patient est toujours vivant et qu'il bouge, ça suffit pour qu'il soit content et qu'on dise que le patient va bien. Donc, tous ces patients sont testés pendant un minimum de 3 heures par des neuropsychologues qui sont PhD en neurosciences cognitives de façon à être totalement objectifs. Et au-delà des scores, c'est bien, il faut être objectif, mais c'est la subjectivité du patient qui compte le plus. Je peux vous dire que ce patient mène une vie active en travaillant à plein temps et en ayant une famille où il n'y a aucun problème en termes de retour également de son épouse et de ses enfants, en sachant que les scores sont également normaux en ce qui concerne les aspects empathiques et cognition sociale. Ce qui veut donc dire que là, pour le coup, on a eu cette discussion avec Damasio, vous pouvez faire une lobectomie bifrontale et finalement mener une vie active. Comment est-ce que j'en suis arrivé à ces observations? Je ne vais pas faire évidemment trop de digressions sur les aspects oncologiques, mais ils sont quand même essentiels pour que vous compreniez en gros matériel et méthode. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, j'ai décidé de prendre en charge des patients qui sont porteurs de ce qu'on appelle un gliome diffus de Bagrad, à savoir une tumeur primitivement du système nerveux central. On ne parle pas de métastase. On ne connaît pas l'origine, mais on sait qu'en général, les patients sont jeunes, entre 20 et 40 ans, qui mènent une vie active, qu'un jour ils font une crise d'épilepsie et qu'on découvre le pot aux roses. Vous voyez à quel point la tumeur peut être impressionnante. Je réinsiste en général chez des patients qui mènent donc une vie normale.
Ce qui veut dire que pourquoi j'ai eu cette idée au tout début, parce que quand vous commencez à avoir des patients qui sont face à vous, qui ont une crise, et vous êtes obligé de leur dire vous avez une tumeur qui infiltre tout votre lobe frontal gauche, ils vous répondent mais je vais bien. Donc à ce moment-là, soit vous reniez le patient et ce que vous voyez, soit vous changez le modèle, parce que le modèle n'explique pas ce que vous êtes en train de voir dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas un cas, une exception qui confirme la règle, ce sont des centaines de patients. Pourquoi est-ce qu'on a un problème sur le plan oncologique? C'est que pendant longtemps, on a dit, donc j'ai d'autres dogmes à inhiber vis-à-vis des aspects neurochirurgicaux-oncologiques. Vous inquiétez pas, comme vous allez bien, vous avez une tumeur bénigne et tout se passera magnifiquement sous antiépileptique. Et se passer magnifiquement, comme vous voyez, les patients ont des tumeurs qui dégénèrent, qui deviennent malignes, qui les rendent aphasiques et hémiplégiques et qui les tuent en l'espace de 5 à 10 ans. Ce n'est pas ma définition d'une tumeur bénigne. Maintenant, si on détaille un petit peu plus, la plasticité cérébrale existe, mais comme tout système tampon, elle a des limites. Donc l'autre dogme, c'est ces patients vont bien. Je viens de le dire trois fois. En fait, c'est pas vrai. Si vous faites un bilan neuropsychologique après une crise d'épilepsie, voire même de plus en plus découverte fortuite, j'ai mal à la tête, j'ai eu un traumatisme crânien bénin, on a fait un scanner pour vérifier qu'il n'y avait pas d'hématome, on tombe sur le poteau rose, il n'y a jamais eu de symptômes. Vous faites un bilan neuropsychologique et... in fine, pas de surprise, donc 80% du temps, vous avez déjà des troubles, comme vous voyez, des fonctions exécutives, mémoire de travail, émotion, etc. En d'autres termes, il faut arriver aussi à dépister, démasquer ces troubles qui ne sont pas toujours décrits spontanément par le patient. Donc là, je ne parle que de tumeurs, à savoir, on n'a pas encore opéré. Le cerveau est magique, vous avez vu la compensation, mais il a des limites. Et inéluctablement, on va dire, vous voyez, ils ont des troubles parce qu'il y a quand même une localisation qui explique que le patient ait des troubles des fonctions exécutives, par exemple. Non. Non. C'est lié à l'infiltration de la substance blanche. Et il se trouve que ces tumeurs constituent un excellent modèle de neurosciences cognitives, ça c'est pas fait exprès, c'est qu'elles connaissent mieux l'anatomie que nous et qu'elles migrent le long des autoroutes de l'information, à savoir dans la substance blanche. Et qu'est-ce qu'on a pu démontrer? Comme vous voyez, il a fallu attendre quand même finalement il y a 2 ans, que si vous avez des troubles, par exemple en l'occurrence cognitifs sur le plan sémantique, du contrôle sémantique, en fait, sur des centaines de patients et toutes les méthodologies que je ne détaillerai pas aujourd'hui, c'est lié à l'infiltration de la voie ventrale sémantique. En aucun cas une localisation, ça n'a rien à voir avec l'infiltration ni de Broca ni de Wernicke. Si le faisceau n'est pas infiltré, vous n'aurez pas de déficit. S'il l'est, et plus il l'est, plus vous aurez de déficit. Ce qui semble légitime, encore une fois, vous l'avez eu tout à l'heure, le câble s'est débranché, il n'y a plus de projection sur l'ordinateur, sur l'écran. Sachant ceci, on est allé au bloc opératoire pour opérer les patients et éviter que les tumeurs ne dégénèrent. Et donc, je vais aller très très vite sur ce point, simplement pour que vous compreniez l'implication clinique et oncologique. À savoir, dans le JAMA, que je ne présente plus, un très grand journal, il y a eu des Norvégiens qui nous ont donné le groupe contrôle qu'on n'a pas depuis une vingtaine d'années, à savoir se contenter de biopsier chez des patients qui doivent aller bien, et vous voyez, la médiane de survie est de 6 ans, parce que la tumeur dégénère et va tuer le malade. Donc, dans la plus grosse série au monde qu'on ait rapporté 1500 cas, à savoir finalement une pathologie relativement orpheline, la médiane de survie est de 15 ans, on l'a plus que doublé. En traitant préventivement. Ce n'est pas satisfaisant, les patients n'arrivent pas à les guérir, mais ils vivent 15 ans, donc de 10 à 20, et évidemment, on continue à les surveiller, puisqu'avant j'étais trop jeune, puisque c'est une étude prospective qui est en cours. En d'autres termes, on leur donne une génération. Ce qui veut donc dire, pendant ce temps-là, il faut qu'ils vivent normalement. Et vous allez voir que si j'insiste un tout petit peu sur l'oncologie, c'est que ça va être lié à la plasticité. C'est que comme l'idée, c'est de réduire le volume de façon à limiter les risques de transformation maligne, vous pouvez être amené à réopérer des patients. Et plus vous réduisez le volume et plus vous le réduisez 5 ans, 10 ans plus tard, il y a des patients que j'ai opérés 4 fois avec plus de 15 ans de recul qui continuent à aller bien et qui n'ont pas eu de transformation maligne de la tumeur, donc elle est sous contrôle. Pourquoi c'est important? Parce que la question est, oui, mais si vous avez enlevé le maximum la première fois, comment est-il possible que vous enleviez plus la deuxième fois, la tumeur n'ayant pas la gentillesse de repousser dans les cavités opératoires, mais de diffuser, comme je vous l'ai dit, dans le système nerveux central, en particulier dans les fibres? En fait, parce que le cerveau s'est réorganisé chez le même patient au cours du temps, et qu'on en a la preuve absolue, puisqu'on fait des cartes pendant les interventions chirurgicales.
Du coup, l'idée, c'est maintenant faire ce type de lobectomie, évidemment en tordant le cou au passage à Broca, puisque vous voyez que là, en l'occurrence, elle a été largement enlevée, et évidemment, les bilans avant-après, et évidemment, retour à la vie active, et pas simplement dire le patient va bien 3 mois plus tard, mais aussi 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Donc là, ça devient la preuve absolue qu'il faut changer le modèle. Et nous avons cette preuve sur plus de 700 patients. Ce qui veut donc dire qu'il a fallu incorporer à un moment donné cette notion de comment modéliser la connectivité et la plasticité, à savoir, le patient est déjà face à vous au début, j'en reviens à cette observation de base, il a une lésion dans la région dite de Broca, de Wernicke, centrale, insulaire, etc., peu importe, ça n'est qu'un principe, pour vous dire, le localisationnisme doit être brûlé. En effet, ces tumeurs sont souvent localisées dans les zones fonctionnelles. On dirait que c'est fait exprès. En fait, c'est pour ça que j'ai eu que observer, puisque les gliomes de Bagrat étaient localisés dans les régions de Broca, d'Insula, Motrice, etc. Je ne sais pas pourquoi. On essaie de comprendre, on a des hypothèses, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est confronté pluri-hebdomadairement à des patients inopérables dans des régions où vous n'enlevez pas une boule, je réinsiste, mais où vous enlevez une partie du système nerveux central infiltré par une maladie tumorale chronique. Donc vous êtes sûr après qu'il n'y a pas de biais quand vous faites les études corrélation anatomo-fonctionnelle, puisque à la place vous avez un trou, une cavité. Ce qu'il faut comprendre, et ça on y viendra petit à petit avec la notion greffe, et c'est absolument crucial pour la compréhension de la neuroplasticité, c'est que lorsque vous avez un déficit, ce n'est pas lié à la localisation, je l'ai dit tout à l'heure, mais cette fois-ci on le modélise, à savoir vous jetez un pavé dans la mare, vous savez très bien que vous aurez des ondulations qui vont se répartir finalement de l'autre côté de la mare également. Ben là c'est pareil, vous avez une lésion à un endroit donné, un AVC par exemple, on pense que le déficit est lié à la localisation, alors qu'en fait c'est une perturbation de l'ensemble du réseau en incluant les deux hémisphères. Je ne sais pas ce que veut dire un hémisphère dominant, parce que moi si on m'enlève l'hémisphère droit alors que je suis droitier à 100% selon les scores habituels, je vous assure que j'opère plus lundi prochain. C'est comme ça que... On m'a reproché aussi, oui, mais vous travaillez, par définition, chez des patients qui ont des lésions cérébrales. Pas de problème, j'ai fait un PhD avec Bernard Mazoyer il y a déjà quelques années. On a fait une méta-analyse de la littérature sur l'imagerie fonctionnelle chez des volontaires sains et sur plus de 700 rapports, qu'est-ce qu'on a réussi à trouver? Ben que finalement, tout ce qui était phonologique, sémantique et syntaxique, vous devriez avoir une grosse tache bleue qui est ici, une grosse tache rouge qui est là. Ça, c'est des volontaires sains. Et comme vous voyez, c'est distribué. On a fait la même chose au bloc opératoire chez des patients porteurs de lésions cérébrales. On retrouve les mêmes diffusions corticales, et évidemment, à relier ensuite à travers la connectivité, puisqu'il n'y a pas une zone qui correspond à une fonction, mais il n'y a pas non plus un faisceau qui correspond à une fonction. C'est en fait la mise en synchronie à un instant T de A et Z qui peuvent être très proches, mais qui peuvent être aussi à l'autre bout du système nerveux central, qui va participer à cette sous-fonction transitoire, par exemple la syntaxe, qui ne résume pas le langage. À partir de là, comment est-ce qu'on peut tester les patients avant, pendant, après? Je vais passer très rapidement l'IRM fonctionnel, tout le monde connaît le principe. Comme j'ai été formé dans ce domaine, je peux vous dire une chose que vous savez déjà, c'est que c'est faux. Donc c'est génial pour faire de la recherche et évidemment c'est longitudinal non-invasif, on n'a pas à ouvrir la boîte crânienne, donc c'est quand même mieux surtout pour des volontaires sains, mais je vous montre la sensibilité et spécificité de chiffres qui remontent à 2015. On travaille quand même et on fait des publications depuis 20 ans dans Nature et Science avec cette sensibilité et spécificité. Vous allez me dire comment je le sais, parce que on voit le cerveau au bloc opératoire en action, en le stimulant de façon directe à travers des stimulations électriques dont on va parler. Donc, il faut quand même être raisonnable et ne pas tout vouloir expliquer à travers une méthodologie. C'est pour ça que nous, on utilise toutes les méthodologies possibles, les tests neuropsychologiques, la structure, l'IRM, l'IRM fonctionnel également, les stimulations au bloc opératoire, le longitudinal, etc., etc. À un moment donné, on peut plus se tromper complètement du fait de la plurimodalité. Mais vouloir tout expliquer à travers une méthode parce qu'on la possède bien, ça n'a pas de sens, c'est pas raisonnable. Exemple pour le tenseur de diffusion. Même chose, 80% de fiabilité, vous connaissez le principe, le mouvement des molécules d'eau, le long, donc, plutôt de fibres, d'accord.
Mais en fait, tout de suite, c'est devenu « Ah, on voit les fibres ». On ne voit pas du tout les fibres. Comment est-ce qu'on l'a démontré? Ben, c'était simple. On a donné un set avec un patient, en l'occurrence avec une tumeur, qui vient de Montpellier. On s'est retiré de l'affaire et on l'a donné à une vingtaine de centres qui sont hyper spécialisés dans le monde. Juste pour le faisceau pyramidal. Regardez, ici, il est magnifique. Là, on a un peu de mal à le trouver. Ici, il est plutôt mésial. Là, il est plutôt latéral. Là, il est très diffus, façon éventail. Tout ça, c'est le même patient. De nos jours, 2015. Donc là, moi, je joue le béotien parce que ce sont des spécialistes en ingénierie. Et je leur dis qui a raison. Et leur réponse est, parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas être malhonnêtes, on ne sait pas. D'accord. Donc dites-le. Le tenseur de diffusion, c'est génial pour faire de la recherche parce que c'est non-invasif, mais on ne va pas dire que c'est le paquet de fibres. Or, les neurochirurgiens ont envie de le croire. Si je reviens à l'application clinique maintenant, disons, je vais m'arrêter au faisceau jaune pendant l'intervention chirurgicale. Mais ce faisceau jaune n'existe pas. C'est une reconstruction biomathématique qui dépend du modèle. Nous avons la réalité face à nous, et finalement, ça n'est jamais que du Penfield 80 ans plus tard, avec des anesthésistes qui ont fait des progrès énormes grâce au propofol, au rémifentanil, je ne reviens pas là-dessus. On endort le patient pour l'ouverture, le cerveau n'a pas de récepteur, donc il ne peut pas ressentir simplement qu'on touche, a fortiori la douleur. Le patient est réveillé, on le rendort pour la fermeture, parce que la peau n'a pas besoin de lui, ça ferait mal. Il est sur le côté, et à ce moment-là, les professionnels de santé qui peuvent être médicaux, paramédicaux, neuropsychologues, orthophonistes, neurologues, chercheurs, viennent au bloc opératoire et font un véritable bilan neuropsychologique en temps réel pendant qu'on est en train de faire une carte à la fois corticale et sous-corticale et en faisant tous les tests possibles et imaginables adaptés à la qualité de vie du patient dont on va parler maintenant et qui nous permettent non seulement d'enlever la tumeur et de doubler, voire même plus, la médiane de survie comme vous avez vu, mais de préserver leur qualité de vie, voire même de l'améliorer puisqu'ils ne vont pas si bien que ça lorsqu'on fait le diagnostic étant donné que la plasticité a des limites. D'où on en revient à une question in fine philosophique, que veut dire la qualité de vie? Éviter l'aphasie, hémiplégie, d'accord. Est-ce que ça suffit à vivre une vie active? Évidemment non, puisqu'on parlait tout à l'heure de votre propre mémoire autobiographique à l'instant T. Finalement, je vous dis pourquoi est-ce que vous êtes là, comment vous en êtes arrivé à ce parcours, qu'est-ce que vous souhaitez exactement, et du coup vous projetez en arriver à la conscience autonoétique. Ça va varier d'un patient à l'autre. Si vous parlez quatre langues, il est évident que on peut être amené à tester plusieurs langues, alors que si vous n'en parlez qu'une, on va en tester qu'une. C'est une évidence. Ça veut dire que la qualité de vie n'est pas la même. Si vous êtes directeur d'entreprise et que vous ayez besoin de faire des synthèses en temps réel, on aura besoin de faire des tests qui seront un tout petit peu différents, en plus des tests entre guillemets de base, par rapport à si vous êtes musicien, ou chauffeur de taxi, ou danseur, etc., etc. Ce qui veut donc dire que la qualité de vie, en fait, est à définir par le patient et sa famille lui-même en consultation. Donc responsabiliser les patients. À partir de là, j'ai des visiteurs qui viennent régulièrement et qui ont une vision évidemment dogmatique, on en revient au localisationnisme. D'accord, vous avez l'habitude de faire ça au bloc opératoire depuis 20 ans. Donnez-moi la batterie de test qui va correspondre à chaque lobe. Donc on a publié ce journal, dans cet article... alors qu'en fait c'est digne du journal de Mickey qui montre véritablement pour Juliette alors que finalement c'est censé être des neurochirurgiens et donc des neuropsychologues, donc des orthophonistes parce que c'est valable en pré- et post-opératoire, la batterie de test à faire en fonction du lobe. Vous allez me dire pourquoi vous avez publié ça, parce que c'est comme la chimiothérapie, dans le bonbon rose il y a une molécule qui elle va diffuser et qu'en fait la deuxième figure c'est si vous êtes au contact du faisceau fronto-occipital inférieur qui intervient dans le traitement sémantique plurimodèle de l'information, que vous soyez en train de faire une lobectomie frontale, insulaire, temporale, pariétale, occipitale, de toute façon, à la fin, vous serez au contact du faisceau jaune. Ce qui veut donc dire que les tests sont appliqués en fonction de la connectomique. En d'autres termes, les mêmes tests un peu partout, parce que vous serez au contact de ce réseau qui continuera à connecter à la fin A à Z ou pas, et à ce moment-là, le patient ne récupérera pas. En d'autres termes,
on enlève non pas une tumeur, mais une partie du système nerveux central en fonction des fibres de projection, des fibres d'association et des fibres commissurales qui finissent par constituer un réseau plus global que l'on peut tester, qui plus est, par l'imagerie fonctionnelle pré- et post-opératoire, parce que là, le but n'est pas d'avoir la vérité absolue, mais le delta, en fonction de ce qu'on a fait au bloc, est corrélé au bilan neuropsychologique et aux étendues des exérèses. Et c'est là où on commence à comprendre comment fonctionne véritablement le cerveau, parce qu'encore une fois, sinon, tous nos patients seraient aphasiques et hémiplégiques. Ils ne le sont pas. Donc on en est arrivé à dire notamment que même s'il faut un output, je vais aller jusque-là, il y en a bien un à un moment donné, ce n'est pas la pars opercularis, mais c'est le cortex prémoteur ventral, c'est-à-dire en arrière de la région anatomique définie par Broca. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, puisque vous savez déjà que le borgne, vous avez sûrement vu son cerveau, ne serait-ce qu'à travers des reproductions, avait une lésion du cortex prémoteur ventral en plus, de la pars opercularis et de toute la connectivité sous-corticale. En fait, à quoi sert le gyrus frontal inférieur gauche? En fait, c'est plus un gradient qui intervient à la fois dans le traitement phonologique, syntaxique, sémantique. On le voit très bien quand on est en train de stimuler au bloc opératoire avec des lésions virtuelles transitoires induites par des stimulations qui perturbent le réseau et qui ne diffusent pas localement, mais qui diffusent dans l'ensemble du sous-circuit qui correspond à la sous-fonction, ce qui veut dire qu'on pourrait bien dire sur un test de dénomination, ceci est un meson, ce qui veut dire que le LEM n'existe pas et que le VELT avait tort. Parce qu'il suffit d'aller au bloc opératoire et de voir qu'on peut avoir une dissociation entre l'accès au lexique et pourtant ne pas avoir eu la représentation des attributs, contrairement à son postulat qui était purement hypothétique. Je ne vais pas rentrer en tous les détails, mais souvent on nous dit au bloc opératoire, vous testez finalement donc l'accès au lexique, la syntaxe, la phonologie, l'articulation, etc. Donc on commence à voir la vision un peu plus globale, mais ça, on reste là. Non, si vous êtes effectivement avocat, puisque ce sont toutes des histoires réelles, on peut faire des tests de jugement plurimodaux, c'est assez simple in fine. Vous utilisez le canal visuel, le canal auditif, vous montrez un chien et vous dites c'est un chat. Est-ce que il y a une congruence, oui, non? Évidemment, vous connaissez la réponse, vous êtes en train de stimuler corticalement et sous-corticalement, donc vous reconstituez une partie du réseau pour ne pas faire de bêtises, et à ce moment-là, vous commencez à comprendre que vous pouvez in fine manipuler le jugement même d'un avocat. Vous êtes en région dite pariétale, mais ça ne suffit pas parce qu'en fait c'est un réseau fronto-pariétal, il n'y a pas un calcul mais plusieurs, je n'aurai pas le temps de détailler. Vous êtes mathématicien, on fait du calcul. Pourquoi? Parce qu'on fait la différence entre la multiplication et la soustraction ou la division. Et c'est vrai que c'est de moins en moins vrai, mais quand on faisait ce type de test, puisque finalement plus personne ne me dit dans la qualité de vie j'ai besoin de calculer, à la limite je pense que le cerveau est en train de se moduler de plus en plus pour des raisons sociétales bien compréhensibles, mais on avait appris les tables de multiplication par cœur, donc c'était une sorte d'accès au lexique du calcul, de chiffres, de nombres, alors que si vous deviez faire une division, vous utilisiez votre imagerie mentale de façon à poser l'opération et le temps d'avoir retrouvé la solution ou pas. Donc avec un retour aussi métacognitif dont on parlait tout à l'heure. Cognition spatiale, une danseuse est venue me voir un jour, elle m'a dit « Vous m'enlèverez la partie dite du carrefour droit, donc qui aurait dû générer un syndrome d'Anton Bemansky, que si je redanse après, elle a redansé 3 mois plus tard, on a pu publier en Science en plus, en lui donnant cette qualité de vie, parce qu'in fine, on s'est aperçu qu'on ne connaissait rien sur la connectivité sous-jacente de comment éviter les mini-négligences. » La mémoire de travail, le test de N-BAC que vous devez connaître, quelle était la diapositive d'avant 3-BAC, normalement vous êtes censé le savoir, sinon c'est que soit vous n'êtes pas intéressé, soit vous avez des troubles d'attention, soit je vous invite à passer une IRM, il y a peut-être un gliome de Bagrad qui est en train d'évoluer. Mais c'est comme ça qu'on finit par découvrir de plus en plus, puisqu'on est en train de proposer une politique de dépistage dans la population générale, et ça, je serai le 7 février prochain à l'Académie nationale de médecine pour justement faire un petit peu l'avocat de ce qu'on fait déjà pour de nombreuses autres pathologies oncologiques, je ne vais pas insister. Syntaxe, il s'agit d'un écrivain relativement célèbre qui a publié 3 livres depuis que je l'ai opéré en ayant enlevé la région de Broca. Il m'a dit finalement, j'ai pas plus d'idées qu'avant, mais c'est pas pire.
C'est pour ça que j'en arrive à ce qu'on avait complètement négligé à une période et qui est cruciale pour toutes les rééducations et donc la compréhension du fonctionnement du système nerveux central, la motivation, le comportement, l'affect, la mentalisation. Or, je vous dirai tout à l'heure qu'on est capable de la tester également au bloc opératoire. Mais ça, c'est vrai en cortical. Je vous ai assez peu montré de fibres pour l'instant. Encore une fois, si on a une vision purement corticale, on vire inéluctablement au localisationnisme. Quid des fibres de substance blanche? Et je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, en dehors de Degerine et de Klingler et d'une poignée d'autres, ça veut dire en gros 10 pionniers depuis 150 ans, personne ne s'est intéressé quasiment aux fibres. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'était un blocage manifestement qui a été déverrouillé. Et ça, je dois rendre hommage à César, à savoir au tenseur de diffusion, parce que d'un seul coup, parce qu'on a imagé, alors tout le monde s'est dit « Ah oui, c'est connecté, il y a des fibres », comme si elles n'existaient pas avant, et comme si ça n'avait pas été décrit il y a plus d'un siècle par Degerine. C'est pour ça qu'on est revenu aussi au laboratoire pour disséquer les fibres, et je vous incite à le faire, notamment pour les chercheurs, mais aussi les médecins ou paramédicaux impliqués dans la prise en charge du système nerveux central. Vous ne pouvez pas être convaincu de ce que je dis tant que vous n'avez pas vu la structure qui va en conséquence. Or, nous, on a une chance énorme, c'est qu'on contraint les modèles en fonction de cette anatomie, parce qu'on l'a revisité en refaisant des dissections, mais pas qu'en regardant la substance blanche, mais en regardant les terminaisons corticales, pour voir l'ensemble du réseau. Et c'est plus A connecté, pardon, à Z, c'est A, C, D connecté à Z, Y, W. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, donc plus proche de ce deuxième schéma que vous avez vu par rapport à classique Broca-Wernicke, puisqu'ensuite, on est au bloc opératoire, et on n'a pas stimulé que le cortex, on stimule la substance blanche. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, j'enlève une partie du système nerveux central pour enlever la tumeur et doubler la médiane de survie, et maintenant, tout devient logique. Prenons un schéma simple. Vous êtes un neurologue. Vous avez des AVC face à vous qui ont tous le même symptôme. On n'arrête pas de dire ça à partir du même symptôme. D'accord. En fait, vous pouvez avoir un symptôme qui est lié à des lésions totalement différentes. Vous faites une segmentation des différents AVC, vous mettez tout dans un même template, par exemple du Montreal Neurological Institute, XYZ, et vous dites l'overlapping est la région, pardon, l'overlapping est la région qui explique pourquoi tous ces patients ont le même symptôme. En l'occurrence, la région de Broca, ici une aphasie motrice qu'on a démontrée. Maintenant, essayez de réfléchir différemment en disant le premier patient a ce symptôme, l'aphasie motrice, parce que cette partie du réseau est endommagée. Le deuxième a un AVC localisé ailleurs, et cette partie du réseau est endommagée, il a le même symptôme, etc., etc. Selon ce modèle, la seule région qui n'est pas impliquée est la région de chevauchement. Ça change quand même la vie. Ce n'est pas une modulation du modèle, c'est l'inverse du modèle. Démontrez-le. Voilà. 3 heures de test Institut des neurosciences cognitives à Paris, pour être totalement objectif. On n'a pas réussi à trouver de déficit. Mais non, vous n'allez pas en trouver. Ah, mais quand même, la région de Broca est enlevée. Pourquoi? Parce que vous préservez la connectivité. La connectivité est la limite de la plasticité. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Vous êtes au bloc opératoire, tous ces patients mènent une vie totalement active. Vous avez l'AVC qui est ici, évidemment, la partie profonde, les perforantes, on est tous menacés à partir de 65, 75 ans, surtout la façon dont on vit, etc. Vous aurez une hémiplégie qui, au mieux, se transformera en hémiparésie spastique. Là, ces patients, ils n'ont aucun déficit. Pourquoi? Parce qu'on a préservé la connectivité. Évidemment, on se doute bien, il y a la capsule interne qui va ensuite au niveau du tronc cérébral, la communication, un faisceau cortico-spinaux. D'accord, ils ne sont pas hémiplégiques. Est-ce que ça suffit? Non. On a mis en évidence il y a peu de temps, finalement il y a peu de temps, jamais décrit avant, c'est complètement fou, que si vous demandez à un patient de faire un mouvement alors qu'il est en train d'être évidemment opéré d'un gliome en l'occurrence, voilà, il va être transitoirement bloqué. Statut de sel. Il n'y a pas de résolution de tonus, il n'y a pas de résolution de conscience. Le cas échéant, il peut faire la même chose. J'arrive plus à bouger. On relâche la stimulation, blocage. Ou, pourquoi vous accélérez? J'arrive pas à retenir. Modulation du mouvement, qui n'a rien à voir avec le cortico-spinal. Ça ne va pas directement au niveau de la moelle, et à ce moment-là, le patient n'est pas paralysé. C'est du contrôle du mouvement.
et qui n'est pas encore au niveau de la conscience de l'intention du mouvement, qui viendra tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a une balance. Maintenant, c'est plus compliqué, vous jouez du Rachmaninov. Vous stimulez d'un côté, vous bloquez de la même façon, bilatéralement. Où sont les fibres de projection? En d'autres termes, on ne sait pas qu'il y a un réseau moteur négatif. Ça fait des années qu'on met des électrodes, à juste titre, dans le noyau subthalamique, en se demandant s'il vaut mieux que ce soit dans le globulus pallidus interne, dans les tremblements, par exemple, de maladie de Parkinson. On ne sait pas comment ça marche. Et tout le monde est à la recherche de la cible. On en parlera probablement après-demain au Japon. En fait, ce n'est pas la cible, c'est la modulation de l'ensemble du réseau, dans lequel, évidemment, vous modulez non seulement le cortico-spinal, mais lui, de toute façon, il est déjà parti en fibre de projection, mais vous modulez le réseau moteur négatif, ou de contrôle, d'accélération. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Quelles sont les fibres? Le faisceau fronto-striatal, qui part de la région corticale pour aller au niveau de la tête du noyau caudé. Donc il faut contraindre via l'anatomie. Or ce faisceau, il y a peu de temps, il était peu connu. Maintenant, faisons-le pour l'output, qui peut-être vous intéresse un petit peu plus en termes donc, de langage, le bégaiement. J'ai créé un bégaiement il y a 18 ans chez un patient qui est toujours vivant, et je viens enfin de comprendre pourquoi, 18 ans plus tard. Parce que j'ai stimulé, et, sans le savoir à l'époque, et donc j'ai coupé le FAT, le frontal ascent tract, qu'on ne pouvait pas connaître puisqu'il a été décrit qu'il y a 6 ans. Entre l'aire motrice supplémentaire et la pars opercularis et le cortex prémoteur ventral, et qui intervient dans l'initiation, la mise en route du langage, puisque c'est bien un syndrome de disconnexionnisme lorsque vous bégayez. Maintenant, je sais pourquoi mon patient n'a jamais récupéré. Ce qui veut dire que je peux même proposer à certains patients, est-ce que vous préférez que j'enlève, entre guillemets, plus de tumeurs et donc je vous donne plus de vie, en sachant que je vais peut-être vous induire un bégaiement, mais est-ce que c'est compensable dans votre vie de tous les jours, à savoir finalement, certains s'en moquent. Ou pas. C'est eux qui définissent leur qualité de vie. Comment voulez-vous proposer ça si vous ne savez pas quels sont les mécanismes sous-jacents? Et encore une fois, on ne peut pas trop nous le reprocher, puisque jamais ça n'avait été décrit. Parce qu'on ne connaissait ni l'anatomie, ni la fonction qui va avec. Vous voyez qu'on est bien loin du schéma de Wernicke et Broca. Ça va même dans les aspects attentionnels. Donc, tout ce qui est oculomoteur. L'oculomotricité n'est pas que de la motricité. Or, il se trouve que tout le monde connaît les frontal high field, bien entendu, les champs oculomoteurs frontaux. On sait très bien qu'il y a une communication avec les régions pariétales, mais quel est l'output? On vient juste de mettre en évidence certaines fibres qui interviennent dans ce réseau moteur, entre guillemets, de contrôle, et qui font que vous pouvez avoir des saccades involontaires ou qu'on peut inhiber les saccades. Donc, c'est lié, évidemment, à des prises d'informations, donc aux aspects attentionnels. En d'autres termes, vous rééduquez un dyslexique. Vous ne pouvez pas juste vous contenter du schéma du langage, puisqu'on fait la prise d'information à travers la saccade volontaire que vous allez lui demander de faire pour aller chercher l'information si d'aventure il y a un problème attentionnel à la base qui explique ce symptôme qui est la dyslexie, alors qu'en fait les mécanismes sont totalement différents d'un patient à l'autre. Il faut rééduquer l'ensemble du réseau. Et c'est ça que vous devez voir. Sinon, vous allez prendre la page 14 de dyslexie et ça ne marchera pas chez certains patients. Les voies somatosensorielles, vous opérez un lobe pariétal, évidemment vous stimulez les fibres thalamo-corticales, le patient va décrire tout ce qui est déficit somatosensoriel, superficiel, protopathique, le cas échéant. J'insiste pas, à la limite on va dire c'est facile. Mais vous lui demandez de faire les mouvements, vous pouvez aussi bloquer le mouvement. Alors là je comprends plus parce que je croyais que le mouvement c'était devant et que derrière c'était somatosensoriel. Non, il y a des fibres en U. Il y a des fibres de projection et il y a aussi le relais par les ganglions de la base. Sauf que ce n'est pas là un modèle, c'est ce qu'on vient de voir en termes anatomiques. Donc, c'est tout un réseau qu'il faut voir. Plus des problèmes, on parlait hier, de schéma corporel. À savoir que le patient peut, à ce moment-là, au bloc opératoire, notamment dans les régions du précuneus et du cingulum, donc en termes de réseau, on en reparlera tout à l'heure, avoir un problème de conscience de son propre corps. Et évidemment, à ce moment-là, ça va donner quoi? Des modifications qui peuvent être une ataxie, qui peuvent être, avec la bisection de ligne, on va sûrement y venir juste après, une hémi-négligence. Dans le sens où, voie visuelle, finalement, on ne réveillait pas les patients au bloc opératoire pour éviter une hémianopsie latérale homonyme. Mais vous savez à quel point ça peut être gênant, ne serait-ce que médico-légalement, vous ne pouvez plus conduire, sauf que vous ne le voyez pas et vous dites le patient va bien, il n'est pas hémiplégique. Ça dépend où vous mettez la barre. Lui, il a 30 ans, il ne peut plus conduire, il perd son boulot.
Il ne va pas forcément vous dire merci, même s'il va vivre 15 ans de plus. Certains, oui. D'autres vont dire, vous m'avez détruit la vie. Ouais, mais vous bougez, vous parlez, vous n'allez pas nous embêter. Vous aviez une tumeur au cerveau. C'est plus compliqué que ça, puisque c'est visio-spatial. On vient de parler de somatosensoriel, de contrôle de mouvement, d'aspect visuel. Maintenant, il y a l'intégration qui fait que vous demandez à un patient au bloc opératoire de faire une bisection de ligne. Comme vous vous en doutez, rien qu'avec un stylo qui pointe, s'il est ataxique, il va avoir un problème pour bisecter. S'il a des problèmes somatosensoriels, le stylo va tomber. S'il a des problèmes moteurs, il n'arrivera pas à pointer. Maintenant, s'il dévie à gauche, vous savez que c'est une hémianopsie latérale homonyme et que vous êtes proche des voies visuelles pendant que vous êtes en train de stimuler. S'il dévie à droite, c'est un problème de conscience de l'espace et plus de perception. Et vous devez éviter les négligences, notamment s'il s'agit d'une danseuse, mais pas exclusivement. J'en viens au langage. Vous allez être encore surpris, on a fait des dissections. Il n'y a pas de communication directe, du moins massive, entre la région anatomique dite de Broca, la pars opercularis du gyrus frontal inférieur gauche, et la région dite de Wernicke, la partie postérieure du gyrus temporal supérieur. Montrez-moi dans les 100 ans d'histoire qui ont précédé, quelqu'un qui met en évidence cette connexion directe en suivant les fibres jusqu'au niveau des terminaisons corticales. Ça n'a jamais été démontré. C'est l'inverse qu'on a démontré. Et aussi en utilisant le tenseur de diffusion, vous connaissez les travaux de Marco Catani, en gros qui dit que ce qu'on a retrouvé à la fois au bloc opératoire et en dissection, que la région dite de Broca est connectée à T2, T3, donc qui rejoint les finalement modèles non contraints par l'anatomie d'Hickok et Pöppel qui remontent déjà une dizaine d'années en termes de langage, et que vous avez une partie latérale, et dans cette partie latérale, comme par hasard, vous partez du cortex prémoteur ventral, donc plus postérieur, donc l'output dont je parlais tout à l'heure, qui va jusqu'au niveau du gyrus temporel supérieur, à savoir Wernicke. En d'autres termes, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai stimulé la région de Wernicke et le patient a eu un blocage articulatoire. Et personne dans la salle n'a dit « Oh, c'est étonnant, on stimule Wernicke, c'est un problème articulatoire. » C'est juste une évidence. C'est la boucle articulatoire. Et pourquoi la lésion décrite par Wernicke? Parce qu'il y a cette couche dessous. Y compris, bon, vous avez la partie toute postérieure du faisceau fronto-occipital inférieur, le MDLF qu'on ne connaissait pas et qui a été décrit par Macris il n'y a qu'une quinzaine d'années chez le singe et retrouvé chez l'homme assez récemment. La partie donc latérale du faisceau longitudinal supérieur, quand même le faisceau arqué. Enfin, voilà pourquoi à un moment donné, oui forcément, vous avez une jargonophasie. Comment je sais tout ça? Toujours pareil, parce qu'ensuite vous allez au bloc opératoire et que vous êtes au contact de ces voies ventrales et dorsales, et là en l'occurrence la voie dorsale. Gashwin avait raison, vous stimulez le faisceau arqué, même s'il ne part pas de Wernicke pour aller à Broca, et vous aurez une aphasie de conduction avec des paraphasies phonologiques associées à des troubles de répétition. Et encore une fois, les tests donc ne sont pas liés à la localisation de l'aubert, puisque vous le retrouverez en frontal, en pariétal, en temporal. Voilà partie toute la qui est articulatoire. Si vous coupez cette fibre entre le cortex prémoteur ventral et la jonction entre le gyrus supramarginalis et la partie postérieure du gyrus temporal supérieur, la région de Wernicke, le patient n'articulera plus jamais. C'est la limite de la plasticité. Or, il se trouve que le borgne avait une lésion de la partie latérale du faisceau longitudinal supérieur, en plus du cortex prémoteur ventral, qui est l'output. Donc vous imaginez qu'il n'était plus à même de pouvoir parler, de pouvoir produire. Mais on a décidé que c'était la partie antérieure dans la pars opercularis et que ça se résumait à ça. À la limite que Broca l'ait pensé, pourquoi pas. Mais que 150 ans d'histoire de neurologie est suivi, c'est quand même un peu fort de café. Nous ne savons pas tout. Il y a une sous-partie dans le faisceau longitudinal supérieur qui intervient dans le traitement syntaxique, qui ne se résume pas donc à une région de la pars triangularis ou à la partie postérieure de T2, mais la jonction entre les deux est cruciale pour la mise en synchronie. Il y a une sous-partie qui intervient dans le switch, ce qui veut dire que non seulement vous avez des réseaux différents lorsque vous parlez des langages différents, des langues différentes, mais vous pouvez décider dans l'avion de switcher d'un langage à l'autre à un moment donné, et ça devient du contrôle exécutif, cognitif bien entendu. En d'autres termes, où s'arrête le langage, où commence la cognition?
Je ne comprends pas pourquoi en France, il y a les neuropsychologues d'un côté et les orthophonistes de l'autre. Ça devrait s'appeler des logopèdes qui ont une vision globale, parce que s'il y a que le langage d'un côté et puis l'émotion de l'autre, on n'a rien compris. On devrait s'appeler les neuroscientifiques. Réseau sémantique, j'ai dû me battre pendant des années, y compris, peu importe les noms. Pourquoi ? Parce que le faisceau fronto-occipital inférieur et beaucoup d'anatomie dites comparées venaient du macaque, n'existent pas chez le singe. Il est rare quand même qu'un singe soit capable d'écrire un concerto et puisse rajouter un mouvement s'il le souhaite. Même si on me dit, il communique. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais je viens de vous prendre un exemple précis. Le singe n'a pas de conscience autonoétique. Ça passe par ce faisceau qui, regardez maintenant, est constitué de plusieurs sous-parties. Voilà la terminaison corticale. Là, c'est le même faisceau. Ça veut dire que si vous coupez ici parce que vous finissez une chirurgie de l'insula, c'est le faisceau fronto-occipital inférieur. Oui, mais ça, c'est la partie latérale. Regardez maintenant la partie profonde. Les terminaisons corticales ne sont pas les mêmes. Donc, les câbles passent au même endroit, mais en fait, ce n'est pas les mêmes sous-réseaux. Et évidemment, les sous-fonctions ne sont pas les mêmes. Oui, ça intervient dans le traitement sémantique. D'accord, mais il peut être verbal, non-verbal. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est très important pour la métacognition, à savoir la capacité de s'auto-évaluer. On demande régulièrement aux patients ce que vous venez de dire, dites juste après 1 à 6, parce qu'on ne peut pas stimuler pendant des heures non plus, bien entendu, mais on a un code qui est 1, c'est random, 6, c'est je suis sûr. Et le patient vient de vous dire un chien à la place d'un chat, il vous dit 6. Ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'ils disent le chien à la place du chat, c'est qu'il n'en ait plus conscience. Après, vous relâchez la stimulation et il va vous expliquer pourquoi. Les lunettes qui sont associées non plus à l'œil, mais à l'oreille. Ah oui, parce qu'on pose les branches sur l'oreille. D'accord. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ne jamais reconnaître qu'on a tort. On doit avoir un problème de faisceau fronto-occipital inférieur qu'on n'a peut-être pas le singe. Notamment les neurochirurgiens, j'assume totalement. Je ne vais pas faire le tour de tous les faisceaux. Très rapidement, le faisceau inciné, on en parlait hier, langage, trouble d'accès au lexique en ce qui concerne les noms propres, ou la partie antérieure du faisceau longitudinal inférieur qui est sur la voie toute basale, ventrale. La partie antérieure intervient dans l'accès au lexique avec des augmentations de temps de réaction, mais qui, in fine, ne vous gêne pas tellement dans la vie de tous les jours parce que c'est rééducable si on a gardé la voie ventrale sémantique directe, à savoir le faisceau fronto-occipital inférieur dont je viens de parler juste avant. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Si vous coupez la partie antérieure de ce faisceau longitudinal inférieur, le patient récupérera. Si vous coupez la partie postérieure, vous générerez une alexie. Or, l'alexie ne veut rien dire, puisque, comme vous le savez sûrement beaucoup mieux que moi, il peut y avoir soit une alexie complète, soit des troubles pour les verbes réguliers, irréguliers, soit en ce qui concerne les logatomes. Oui, c'est compliqué tout ça. C'est pas compliqué, on en a fait le modèle, c'est compliqué à partir du moment où on ne voit que la visual waveform area. Mais en fait, si vous recommencez à visualiser l'ensemble du modèle avec l'autre côté via le corps calleux, ben finalement, à un moment donné, je vais stimuler une sous-partie entrée-sortie de ce nœud crucial, vous allez induire des formes de dyslexie totalement différentes. Et vous pouvez même, là aussi, si je puis dire, monnayer avec le patient, je voudrais enlever un petit peu plus de tumeurs, est-ce que ça vous gêne vraiment si vous avez un problème de lecture des logatomes, c'est-à-dire finalement ce qu'on ne fait jamais dans la vie de tous les jours, si c'est pour enlever complètement la tumeur visible sur l'IRM par rapport à en laisser un petit peu. Voilà le genre de marché, si je puis dire, qu'on peut faire avant d'aller au bloc opératoire sur la base de la connaissance de la neuroanatomie fonctionnelle et qui fonctionne après, puisque sinon, le neuropsychologue, l'orthophoniste, non, cette fois-ci, il n'a pas récupéré, il a toujours une alexie. En d'autres termes, ce n'est plus une compensation d'une zone par une autre, c'est une compensation d'un sous-réseau par un autre. C'est pour ça que si vous coupez la partie antérieure du faisceau longitudinal inférieur et l'inciné, vous aurez une augmentation de temps de réaction en ce qui concerne l'accès au lexique, mais vous continuerez à dénommer, et le reste sera compensé par l'autre côté, via le faisceau fronto-occipital inférieur, dont les deux sous-voies dont je vous ai parlé, mais j'espère que dans quelques années, j'en montrerai 10. Et ça explique pourquoi on peut faire des lobectomies temporales antérieures chez les patients épileptiques, avec in fine assez peu de conséquences négatives sur le langage, voire une amélioration significative de la qualité de vie si le patient n'a plus de crise en post-opératoire, ce qui est finalement appliqué depuis des décennies, sans qu'on ait compris que c'était contraint par la connectivité. Maintenant, on le sait, ça va mieux.
Voilà, typiquement, donc, ce qu'on m'enseignait à l'école de neurochirurgie, c'est vous enlevez le gyrus temporel supérieur de 1 à 2 cm, pas plus. T2, vous pouvez enlever 3 cm. T3, vous pouvez enlever 5 cm. Pourquoi? Parce que là, en fait, vous avez le faisceau arqué qui ne va pas au niveau de la région de Wernicke dans T1, mais qui va au niveau, comme on l'a dit, de T2 et T3. Donc si vous coupez le faisceau arqué, évidemment, et c'est ce qu'ont dû faire les anciens empiriquement, ben, le patient avait des problèmes de voie dorsale, donc avait une aphasie de conduction. Donc ils ont dit, il ne faut pas aller plus loin que 5 cm. Ben, c'est mieux de savoir qu'il vaut mieux pas couper les terminaisons corticales temporales du faisceau arqué, etc., etc. Je ne sais pas à quoi sert le faisceau longitudinal moyen de nos jours. Il intervient probablement dans le traitement sémantique, mais mon hypothèse, et ça c'est purement gratuit, c'est que comme il existait ces changes et qu'il était très développé, on a inversé la tendance pour que nous, on ait surdéveloppé le faisceau fronto-occipital inférieur qui est beaucoup plus connecté dans l'ensemble de l'hémisphère, comme je vous l'ai montré plusieurs fois, alors que là, ce serait une connexion entre le pôle temporal et le gyrus angulaire. Il y a évidemment ces voies cortico-sous-corticales dont on a parlé depuis le début, mais pas simplement pour la motricité, mais également pour les aspects cognitifs. En d'autres termes, si vous stimulez la tête du noyau causé, vous aurez une persévération. Tous mes internes le savent. Ça marche dans 100% du temps. Or, persévération, pas pouvoir se désengager de ce qu'on a fait avant d'un point de vue moteur, langagier ou cognitif, ça me rappelle quand même des symptômes du lobe frontal, de syndrome frontal. Non, en fait, c'est un syndrome de disconnexionnisme. On en revient au FAT et au FST qu'on a vu avant. Si vous l'avez coupé, le patient aura un syndrome frontal. Si vous ne le coupez pas, le patient peut avoir la lobectomie bifrontale que vous avez vue et continuer à avoir des fonctions exécutives intactes. C'est pour ça qu'on en arrive à ce type de schéma, et qui, encore une fois, est probablement faux, parce qu'il est imparfait, mais qui a un avantage majeur, c'est qu'il est contraint par l'anatomie réelle. Et moi, à un moment donné, c'est sûrement mon biais de neurochirurgien, il faut que les câbles passent par quelque part. Juste dire, j'ai eu une idée cette nuit parce que on a bu hier soir de l'excellent vin, et je me réveille et je connecte A à B dans le modèle, et ça y est, tout tient la route. Encore une fois, est-ce que A est connecté à B? Mais qui le sait? Nous. Donc, il faut que vous alliez faire des dissections également pour vérifier par vous-même certains modèles où on n'a pas regardé forcément si... WA était connecté à Z12. Et vous, vous pouvez aller le vérifier en faisant des dissections et me dire, il y a le tenseur diffusion pour ça. Faites les deux quand même, parce que le tenseur de diffusion, on a vu les limites tout à l'heure. Ce n'était que le faisceau pyramidal. Quand j'ai demandé aux ingénieurs de reconstruire le faisceau arqué, c'était la Bérésina, et quand j'ai demandé l'IFOF, ils ont dit, on ne connaît pas. C'est juste le plus gros faisceau de, hémisphérique, intra-hémisphérique de l'être humain. Ça fait un peu peur quand même. Comment on utilise tout ceci au bloc opératoire, puisqu'on parlait de plasticité? En fait, avec des patterns qui sont totalement différents d'un patient à l'autre. Et c'est ça qu'il nous faut accepter, non seulement la variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle saine, physiologique, et cette modification encore plus importante de variabilité lorsque le cerveau est en train de compenser une lésion, en l'occurrence lentement évolutive, qui est le gluome de Bagrat, donc où le patient se maintient fonctionnellement presque intact, comme on l'a vu. En d'autres termes, je n'ai fait que reproduire ce que Penfield avait décrit et qu'on a oublié en 1930, l'instabilité du point moteur, à savoir, quand j'étais beaucoup plus jeune, vous voyez, j'ai passé ma thèse de science là-dessus, je stimulais, j'enlevais la tumeur, je restimulais en cortical, les cartes s'étaient modifiées, au sein même de l'aire motrice primaire ou au sein même de la région rolandique pré-rétrocentrale. Évidemment, qu'est-ce qu'on m'a dit sur un artefact électrophysiologique du faux? Oui. Depuis, on a démontré, grâce à des méthodes probablement bien meilleures que ce qu'on pouvait faire à l'époque, que c'était la réalité. Et qu'encore une fois, quelqu'un l'avait décrit bien avant nous, et avec Jasper, donc il y avait l'électrophysiologie au bloc opératoire, mais que ça avait intéressé personne, et qu'on retenait l'homonculus rigide, et qui devait être un schéma qui avait dû faire Wilder Penfield un soir, excédé, qu'on lui pose toujours la même question en disant « voilà comment ça marche ». Et c'est ce qu'on a retenu, parce que du coup, c'était simple. Maintenant, c'est ça l'intérêt de l'imagerie fonctionnelle, à mon avis. Avant, après. Vous créez un syndrome d'air motrice supplémentaire,
Vous avez dû en rééduquer notamment les orthophonistes mutismes, les kinésithérapeutes à kinésie. Le patient se comporte comme un aphasique hémiplégique et 10 jours plus tard, il récupère. En fait, il ne récupère pas tant que ça si vous faites de la coordination bimanuelle, tout ce qu'on a vu avant. Mais globalement, il donne le change. Comment ça marche? Vous faites une IRM fonctionnelle post-opératoire, encore une fois, là, il n'y a pas de biais puisque c'est une cavité. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le contralatéral, aire motrice supplémentaire, prémoteur, en plus de l'encoche de la main, moteur primaire, mais aussi somatosensoriel, mais aussi contrôle de mouvement dont on a parlé tout à l'heure, etc. En d'autres termes, un réseau complexe, bilatéral. Là, ça me va. Le patient a récupéré. Quelle est l'utilité? Je vous avais dit oncologiquement, si on peut réopérer les patients, c'est mieux, parce qu'on ne les guérit pas, mais on évite la transformation maligne. Entre-temps, ils ont une vie active. Voilà ce qui se passait au niveau de la région dite de l'encoche de la main, l'aire motrice primaire. Voilà ce qui se passe des années plus tard, avec une modification de l'IRM fonctionnel, recrutement de l'autre côté, etc. Et saut du sillon précentral au sillon central. Vous ne croyez pas en l'IRM fonctionnel? Non, c'est pour ça que je réveille le patient pour vérifier. Mais je lui dis, est-ce que vous voulez quand même aller au bloc opératoire? Parce qu'il y a une chance, comme vous allez bien surtout, que vous ayez compensé, que je puisse enlever plus la deuxième fois. En d'autres termes, l'encoche de la main, exactement. Au pire, on stimule, on referme. Le patient accepte, on enlève l'encoche de la main. Et vient de faire un album, à l'heure actuelle, elle est guitariste. Sans encoche de la main. C'est ce niveau-là de récupération dont on parle. La région de Wernicke, on ne peut pas aller en arrière de la veine de la baie. Voilà, et là, vous la voyez bien. D'accord, mais parce que la partie postérieure du faisceau longitudinal inférieur, le faisceau arqué, le faisceau fronto-occipital inférieur, vous créez une lésion de 5 mm là qui ampute les trois faisceaux, je vous assure que le patient ne va pas récupérer. CF, le cas de Wernicke. La région de Broca, ce patient est avocat, il plaide depuis maintenant, vous voyez, il y a 13 ans que je l'ai opéré. Alors là, comme j'ai horreur de perdre, c'est un patient qui est neuroradiologue, qui s'est fait le diagnostic lui-même en sortant d'un marathon parce qu'il avait mal à la tête. Je l'ai opéré, j'ai pas réussi à tout enlever parce que ça bloquait, c'était insupportable. Je lui ai proposé de réopérer puisque pour une fois, Broca m'avait résisté. 5 ans plus tard, j'enlève Broca. Il n'a jamais arrêté ni de courir le marathon, ni d'être neuroradiologue. Il n'a jamais eu le moindre symptôme. Il a fallu 2 fois. Il m'arrive, d'accord, vous enlevez le Broca, il y a une tumeur, donc c'est réorganisé. Non, parce que comme je ne suis pas un très bon chirurgien, en parlant de technicité, j'ai peur d'opérer l'insula parce qu'il y a des vaisseaux, donc je ne passe pas en ouvrant la vallée sylvienne pour éviter un accident vasculaire cérébral, je passe à travers le parenchyme. Je suis un chirurgien du cerveau, donc je passe à travers la région de Broca, qui n'est pas infiltrée par la tumeur. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Évidemment, je m'adapte à chaque patient. De temps en temps, vous pouvez avoir quand même une réponse, comme le cas précédent, au niveau de la pars triangularis. Je passerai par l'orbicularis. Ou bien, au niveau de l'orbicularis, je passerai par l'orbicularis, etc. Ou aucune. Et me dire, vous faites que la dénomination. Non, non, on fait des tests d'association sémantique, on fait la double tâche en continu. Le patient, à la fois, fait les tests de langage et de mouvement, toutes les 4 secondes, pendant 2 heures, donc c'est la tension soutenue. Non. On en arrive donc, 10 ans plus, enfin 6 ans en l'occurrence, pardon, plus tard, à pouvoir réopérer un patient donc au niveau de l'autre hémisphère et donc induire de plus en plus cette plasticité. La région centrale, voilà ce qu'était le cortex prémoteur, voilà le cortex, entre guillemets, somatosensoriel rétrocentral. Tous ces patients mènent une vie active avec des scores neuropsychologiques optimaux. Là, c'est un peu exagéré. En d'autres termes, le patient allait très bien. Mais il était déprimé en post-opératoire. Je n'avais pas compris à l'époque que je venais de couper le faisceau fronto-occipital droit, dont on vient juste de publier cette année, parce que tous les référés de la Terre ont fait en sorte que cet article ne passe pas, en disant le faisceau fronto-occipital inférieur droit est impliqué dans le traitement sémantique de l'information, mais aussi dans la mentalisation. En fait, j'ai induit cette dépression en coupant l'IFOF droit, et je ne le savais pas. Il m'a fallu 15 ans pour arriver à le comprendre. Corps calleux, oui, c'est crucial. Cette patiente a rejoué Rachmaninov en concert 3 mois après l'intervention chirurgicale et son impresario m'a dit qu'elle avait mieux joué en post-opératoire. À mon avis, je pense que justement, je l'avais désinhibé sur un plan comportemental et que là, moins par moins, ça a fait plus en disant comme elle était créative, au contraire, ça a facilité. Mais il vaut mieux le faire en le sachant. Je ne vous recommande plus de faire ce que je faisais à l'époque. Donc voilà en gros les résections d'air du langage sur des centaines et des centaines de patients, qui montrent, pas que du langage d'ailleurs, qui montrent à quel point le localisationnisme
ne peut pas exister. Sinon, ce ne serait pas possible. Et sinon, d'ailleurs, les nombreux cas d'auto-réparation, si je puis dire, le cerveau est magique, la plupart du temps, il n'a pas besoin de nous, rapportés depuis une centaine d'années, n'existeraient pas dans la littérature. Ce n'est pas d'un seul coup un chirurgien qui dit « c'est possible ». C'est juste un chirurgien qui a lu la littérature, qui a fait une thèse là-dessus, en disant « pourquoi est-ce que je n'arriverais pas à le reproduire de façon plus fiable à travers la méthodologie dont on a parlé ?» Mais c'est tout. Pourquoi ? C'est quoi la méthodologie ? C'est d'éviter de couper les fibres. Ce que j'appelle le cerveau minimal commun, en d'autres termes, plus on va vers le cortex, plus il y a de variabilité, plus il y a de redondance, plus il y a de démasquage possible, plus il y a de plasticité possible. Plus vous allez vers les goulots d'étranglement, plus vous allez induire un déficit permanent. Une route de campagne que vous fermez, ou même une dizaine, par rapport à interrompre l'autoroute au niveau de l'échangeur. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. C'est aussi simple que ça. Pour ça, je passerai très vite pour conclure sur... quand même les résultats, 650 patients opérés avec ce type de pathologie, 0,5% de déficit permanent, problème vasculaire, le risque zéro n'existe pas, mais au-delà de ça, et encore c'était quand j'étais plus jeune, maintenant je sais comment éviter, mais ça c'est de la technique chirurgicale, 30% d'amélioration. Vous faites une lobectomie et comme aurait dit Coluche, vous l'avez plus blanc que blanc. Le patient va mieux après, mais pourquoi ? Parce qu'il a la rééducation et cette rééducation est adaptée. Parce qu'on connaît les mécanismes sous-jacents, surtout si on l'a opéré et surtout si on sait où on s'est arrêté. Plus un impact favorable sur l'épilepsie. C'est pour ça qu'on en arrive au dépistage précoce dont je vous ai parlé. Et c'est pour ça que finalement, vous voyez que c'est un lien avec l'oncologie et les neurosciences, mais qui est applicable à tous les domaines finalement de pathologie cérébrale, y compris la sclérose en plaques, qui est la plupart du temps à l'origine de syndrome de disconnexionnisme. Donc réseau parallèle distribué cortico-sous-cortico, bidirectionnel, interconnecté, capable de se compenser. C'est utile pour le pronostic, la rééducation, la chirurgie, la neurologie, etc. Donc quelles sont juste, dans les 5 dernières minutes, les perspectives ? Utiliser maintenant la théorie des graphes pour pouvoir... Le patient va récupérer en post-opératoire et pas simplement en regardant les activations comme on faisait il y a quelques années, puisque les mettre sur... les lésions que nous avions faites aussi, donc toujours pareil, contraintes par la structure, mais on arrivait maintenant à faire de l'état de repos. En d'autres termes, pendant une soutenance de thèse sur un syndrome de l'air motrice supplémentaire quand les patients sont paralysés, il y a un grand professeur de neurologie qui a dit « Pourquoi vous n'avez pas fait de l'IRM fonctionnel pendant le syndrome pour mieux comprendre ?» Comment voulez-vous le faire bouger puisque par définition, il ne peut pas. Maintenant, on peut. Il y a le resting state, vous demandez de faire rien. Et évidemment, pourquoi il aurait une IRM le lendemain ? Est-ce que c'est éthique ? Oui, pour vérifier si on a enlevé la tumeur. À ce moment-là, il ne bouge plus, voire il a un mutisme, et vous lui demandez de ne rien faire. Qu'est-ce que ça donne après quand le patient récupère ? Sans a priori, on regarde la connectivité sans mettre de zone qui dise c'est la porte d'entrée du réseau, puisqu'on dit on ne sait pas où est le réseau. Il y a une modification de la connectivité intra-hémisphérique, on s'en doutait un petit peu, mais aussi inter-hémisphérique. Ce qui veut dire qu'elle intervient dans la compensation lorsque le patient récupère, alors qu'il y a une diminution au moment du syndrome de l'air motrice supplémentaire. Est-ce que c'est vrai pour le langage ? La réponse est oui. Vous avez ici une inversion, comme vous pouvez voir, de la connectivité droite-gauche. C'est un patient que j'ai opéré d'une tumeur dans la région de Broca, décidément, mais qui avait des troubles en pré-opératoire lorsqu'il faisait un bilan langagier. Pourquoi ? Il avait surcompensé par son hémisphère droit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'un est dominant et l'autre est non-dominant. Ça veut dire qu'il avait besoin d'épicentres répartis sur les deux hémisphères un petit peu plus à droite, alors que probablement son développement personnel n'était pas, avant l'arrivée de la tumeur et sa croissance, en faveur d'une répartition si bilatérale. Je l'opère. Qu'est-ce que ça donne ? L'inverse du pavé dans la mare, si je puis dire, de tout à l'heure avec la lésion. Vous faites une lobectomie. Emporter la région dite de Broca, une reconnectivité qui se retrouve de la gauche chez ce patient. Les scores cognitifs sont meilleurs 6 mois plus tard. Est-ce que c'est uniquement au niveau des régions corticales ? Bien entendu que non. Les resting state, on regarde sans a priori. Et qu'est-ce qu'on est en train de démontrer ? Et notamment, on est blanc, donc j'en profite pour le saluer, puisqu'en partie, et grâce à lui, que j'ai connu Dijon et que j'ai tout fait pour. Non, parce qu'il est très bon. La meilleure preuve, il a dit, pendant que tu es en train de créer un syndrome transitoire, en fait, il y a des modifications
du thalamus et du cervelet également qui se produisent, et quand le patient récupère, il y a une modification de la connectivité électrophysiologique hémodynamique. On en revient finalement au principe du diastésisme, mais que maintenant on peut mettre en évidence de façon totalement non-invasive et longitudinale, programmée si je puis dire. Parce que contrairement à l'accident vasculaire cérébral, je sais quand je vais aller au bloc opératoire pour créer cette lésion volontaire. Et me dire, oui, mais c'est valable pour le langage, pour le mouvement. Non, c'est valable pour les fonctions également cognitives, telles que l'attention, par exemple, là aussi avec François Bonnet-Blanc, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, juste vraiment pour conclure, quid quand même des phénomènes émotionnels. L'important, de plus en plus, peut-être parce que je vieillis, c'est le système nerveux central là, qui est impliqué dans les aspects affectifs et comportementaux. Est-ce qu'on peut tester l'empathie, les neurones miroirs, un petit clin d'œil à Fadiga dont on parlait tout à l'heure, au bloc opératoire? La réponse est oui. On demande aux patients de dire quelle est l'émotion qui est évidemment exprimée par le regard. Vous connaissez tous peu ou prou ce test qui a été évidemment pour le bloc opératoire pour que ça rentre en 4 secondes. Pourquoi est-ce qu'on pourrait me demander de faire ce genre de tâche? Par exemple, parce que j'ai des biais de recrutement, il y a pas mal de médecins que je peux opérer, probablement parce qu'ils connaissent ce type de méthodologie, et surtout de concepts et de philosophie, et des psychiatres. Et évidemment, vous pouvez imaginer ce que ça donne quand vous êtes jeune psychiatre et que vous voulez continuer à mener une vie active, si d'aventure vous perdez l'empathie, alors que par ailleurs vous êtes capable de bouger, parler, même d'être attentionné, etc. On est au bloc opératoire, on stimule, et qu'est-ce qui se passe? À la fois en cortical et en sous-cortical, et c'est véritablement extraordinaire, commencer à voir les interactions entre la cognition et les aspects de mentalisation. En d'autres termes, chez ce patient auquel je pense, j'ai stimulé le sous-frontal occipital inférieur droit, donc il ne sert à rien évidemment, mais moi je n'en étais pas du tout conscient il y a quelques années, et là le patient est en train de dire, puisqu'en plus il s'attendait un petit peu au test qu'on allait faire, le pourquoi du comment, non, j'y vois bien, c'est pas un problème de prosopagnosie, je reconnais tout à fait, c'est pas un problème de déficit de champ visuel, je suis bien concentré, mais je n'arrive pas à savoir quelle est l'émotion. Si, c'est la joie bien sûr, parce que je viens de relâcher la stimulation. C'est extraordinaire de voir justement qu'on peut commencer finalement, et c'est dangereux, à manipuler les aspects émotionnels, voire métacognitifs, parce que là, le patient en l'occurrence avait conscience. Mais c'est là où parfois il peut vous dire joie alors que c'est tristesse, et 6, on en revient à un problème d'auto-évaluation. Pour rendre une histoire très compliquée, longue et en cours, la plus simple possible, il y a deux niveaux de mentalisation, un niveau de bas. Qui est bas niveau, qui est les neurones miroirs jusqu'à preuve du contraire, la perception des émotions d'autrui. En fait, on est de plus en plus en train de démontrer que c'est sous-tendu de façon bilatérale par le faisceau longitudinal supérieur, donc avec toutes les connectivités, évidemment corticales, entre elles, que ça implique, j'y reviens pas. Mais vous avez un haut niveau qui est inférer les intentions d'autrui, donc ce qui est absolument crucial quand vous rééduquez un patient sur le plan de la cognition sociale. Et là, c'est sous-tendu beaucoup plus par les singulis, bilatéralement, donc qui interviennent dans le default mode network et l'introspection, du moins ce sont des hypothèses à l'heure actuelle. Imaginez maintenant qu'on ait perdu le premier niveau et qu'on soit capable de compenser par le deuxième tout en ayant un aspect cognitif qui lui soit préservé. Ça donne l'autisme. Donc de plus en plus, et je sais que ça ne va pas faire plaisir à certains, mais je serai dans un jury dans 15 jours d'une thèse de science de psychiatrie, et ça c'est pas si fréquent en ce qui me concerne, on va commencer à expliquer les troubles psychiatriques en syndrome de disconnexionnisme. Et si on va même plus loin, et là je serai vraiment au bout, on arrive maintenant à prédire qu'on va induire des troubles de conscience, de la conscience de soi par rapport à l'environnement, au bloc opératoire, en stimulant justement dans les régions des précunéis et singulaires. Encore une fois, ce n'est pas localisationniste, c'est tout le réseau qui est perturbé. Et notamment, j'avais prédit il y a peu de temps, c'est pour ça qu'on l'a publié récemment chez une patiente, qu'en faisant ceci, elle me dirait quelque chose proche d'eux, et je n'ai pas été déçu. Ah, je me sens partir, j'ai l'impression que je ne suis plus moi-même, je plonge dans un mur blanc. J'ai arrêté instantanément, j'avais l'impression d'être ailleurs. Dépersonnalisation. Évidemment, je le livre en tant que tel, mais peut-être que ça peut rejoindre justement des problèmes de conscience en ce qui concerne la perception de son propre corps, si on fait le lien avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Ce ne sont que des pistes, parce qu'évidemment, c'est infini, et c'est bien pour ça que ce modèle, maintenant que vous avez vu, détaillé au fur et à mesure pendant cette heure, et je l'espère moins épileptogène que tout à l'heure,
Mais finalement, vous avez dedans la cognition spatiale, la conscience autonoétique, le réseau moteur négatif, enfin tout ce dont on a parlé, évidemment, les différents aspects langagiers. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'il tient la route parce que je l'ai dans mon imagerie mentale et je l'implémente au fur et à mesure que j'opère les patients sur la base de son template qu'on vient de publier l'année dernière, évidemment dans le MNA et à nouveau, à savoir la véritable fonction de la substance blanche, pas basée sur le tenseur de diffusion et des biostatistiques, mais tous les patients qu'on a opérés avec les réponses qu'on a pu avoir d'un point de vue somatosensoriel, moteur, langagier, cognitif, émotionnel, etc. Et c'est bien pour ça qu'on vient de sortir un atlas de neuroplasticité, à savoir chaque voxel est indexé à la chance de récupération. Et évidemment, à partir de là, vous pouvez tracer, segmenter la lésion, entre guillemets, que vous avez ou que vous allez créer si vous êtes neurochirurgien. Et vous avez plus de 90% de chances de prédire s'il y aura une récupération ou pas à la clé, toujours pareil, contraint par la connectomique. D'où le rêve absolu, ce serait finalement de dire, si on trouve une lésion au niveau du faisceau longitudinal supérieur dans la partie latérale pour commencer simplement, et on en revient à le borgne, alors pourquoi ne pas mettre des électrodes au niveau de la région du cortex prémoteur ventral, de la région dite de Wernicke supramarginal, gyrus supramarginal et partie postérieure du gyrus temporal supérieur, et de reconnecter en termes de synchronisation, et via évidemment le BCI, l'interfaçage avec l'ordinateur, non pas pour continuer à faire bouger une souris sur un écran, ce qu'on entend depuis une quinzaine d'années, quand on voit les millions qui ont été, pour pas dire plus, engloutis au MIT, non pas parce que les ingénieurs sont pas bons, ils sont excellents, n'a pas la chance d'avoir la plupart du temps accès à ce type d'ingénieur, mais parce que le problème qu'on leur a posé est faux, parce qu'il est basé sur le localisationnisme. C'est pour ça qu'ils ne refont pas parler les anarthriques, qui est un projet qui nous tient à cœur, à défaut des aphasiques, bien entendu, soyons raisonnables. D'où, c'est finalement entre d'un côté essayer de mieux comprendre le cerveau avec les moyens actuels et surtout la philosophie actuelle basée sur une étude de pathologie mais qui n'est qu'un prétexte in fine, le Greg Lyama en ce qui me concerne ayant toujours pareil doublé les médianes de survie, finalement essayer d'être un petit peu iconoclaste en disant mais pourquoi est-ce qu'on continue à être dogmatique, nous empêchant a priori de faire ça, ce qui me met en colère pour toutes les consultations quasiment, je vois des patients qui viennent d'un peu partout en France et dans le monde qui n'ont pas été sélectionnés pour une chirurgie a priori parce que la lésion était localisée dans la région de Broca. Et donc, évidemment, on ne peut pas l'enlever, sinon vous imaginez bien que cette petite jeune très mignonne de 25 ans, elle va être aphasique. Ah bon ? Oui, c'est l'IRM fonctionnel qui l'a dit, regardez, ça s'active tout autour, c'est ce que m'a dit le chirurgien, vous voulez la voir ? Oui, donnez-moi le CD-ROM, je vais le mettre à la poubelle, on va aller au bloc maintenant. Donc, essayez de vous basez sur l'observation, puisque nous avons tous ce point en commun ici même, c'est qu'on a la chance énorme quotidiennement d'être connecté directement ou indirectement au système nerveux central de l'homme. Et donc ce qu'il faut, c'est finalement bien aller bien au-delà de cette inhibition dogmatique pour simplement se contenter de modéliser la réalité et coller au plus proche. Et à partir de là, comme le cerveau n'a pas de limite dans l'imagination, on continuera en permanence à progresser, je l'espère, à pousser sa propre plasticité, même au-delà d'un certain âge. Merci beaucoup.